Eh bien, salut à tous amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo ouverture de colis, hein. Un colis qui m'est venu de Raph Blu-ray. Donc je vous ferai une, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, hein. Donc j'ai attendu une semaine avant d'avoir le colis, hein, donc enfin l'enveloppe plutôt. Hein. Donc là, je vous montre, ben, là, un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Je vous montre pas le devant parce qu'il y a mon adresse, tout simplement. J'ai pas envie que les gens ont mon adresse, hein, tout simplement. Donc bon, je donne bien sûr l'adresse à ceux bien sûr qui de temps en temps ils veulent faire des cadeaux ou quoi tout simplement. Moi je donne l'adresse, y a pas de souci quand il y a vraiment les gens ils veulent faire un cadeau ou quoi. Enfin en général ça fait toujours plaisir des cadeaux donc et généralement moi ce que je fais généralement quand on m'offre des trucs par la suite je fais aussi un petit cadeau par la suite. Voilà si un jour il y en a un jour qui veulent envoyer des cadeaux parce que j'en ai de plus en plus en ce moment qui demandent. Bon c'est vrai d'habitude je demande pas de cadeaux mais je suppose c'est pas obligé non plus hein. C'est vraiment pour ceux qui ont envie par exemple parce que cette fois-ci j'en ai vraiment énormément qui me demandent l'adresse pour m'envoyer quelques petites choses. Hein. C'est toujours sympa, je trouve. Bon, voilà, Raph, avant d'ouvrir le colis, je vais un peu vous présenter Raph Blu-ray, hein, tout simplement, un mec super, honnêtement, que je me suis abonné, il y a peut-être, allez, depuis que j'ai commencé dans le cinéma, on va dire, un petit peu m'intéresser plus sur l'univers cinéma et ceux qui font des vidéos, bah, je me suis abonné, il y a peut-être, allez, un petit temps quand même, hein, il y a peut-être quelques mois. Et honnêtement, voilà, c'est une chaîne super. Hein. Donc, Seraph est aussi un collectionneur de Blu-ray, de films, de steelbook, vraiment plein d'univers différents. Enfin, surtout le film, tout simplement. Comme beaucoup de nos compères hein, qui font également ça, comme Chapiteau Kev ou Aros Movie et d'autres, bien sûr, bien entendu. Je pense qu'il fait aussi de la BO, je pense. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui sur Facebook. C'est vraiment une personne super, hein, vraiment. Généralement, bah, quand je lui parle, généralement, bah, le courant passe assez bien. Donc, il faudrait que je lui demande s'il n'y a pas un Skype une fois pour la rigueur, parler un peu sur Skype, ce serait pas mal. Donc, voilà. Donc, vraiment, des vidéos super. Hein. C'est beaucoup de comptes rendus d'achat. Bah, c'est ça que j'aime en général. Des comptes rendus d'achat, vraiment plein de trucs, quoi. Donc, en fait, voilà, je vous explique la situation. En fait, Raph m'a contacté sur Facebook. Celui j'ai son Facebook, on a parlé un petit peu. Et il m'a dit, tiens, mais écoute, voilà, quoi, j'ai un Blu-ray, voilà, quoi, si tu veux, bah, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Et donc, bah, je lui ai expliqué que moi, je l'avais déjà ce Blu-ray-là, en fait, parce que. Mais par contre, c'était pas la même édition. Du coup, bah, je me suis dit, bon, allez, on va le prendre. Hein, c'est pas la même édition. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Hein. Et au final, il me l'a envoyé. Du coup, bah, je l'ai envoyé lundi dernier. Je l'ai reçu d'ailleurs. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, il a fallu une semaine pour qu'il arrive. Hein. Mais bon, c'est quand même sympa de sa part. Hein, très sympa même. Donc je me suis amusé à ouvrir le colis. Je ne savais pas comment l'ouvrir. Du coup, bah, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai découpé tout simplement. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit mot là, mais je sais pas. Il y a un papier. Je sais pas s'il a mis un petit mot ou quoi derrière le truc. Enfin, faudrait que je regarde par la suite, mais. Je ne sais pas du tout parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'enveloppe en fait en dessous, mais je ne suis pas sûr. À moins qu'il y ait un petit mot à l'intérieur, je ne sais pas. J'ai pas fait gaffe, mais il faudra que je regarde. Bon voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, on m'en avait déjà parlé. Hein. Donc on va sortir ça. Voilà. Avec une belle édition. Donc il n'y a pas l'air d'avoir un petit mot dedans. Enfin peut-être que c'est, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui m'intrigue, on dirait une sorte d'enveloppe, mais parce qu'en fait c'est un gros papier au corps, donc je vais peut-être essayer de voir, hein, à moins qu'il y ait quelque chose dedans. Non, il n'y a pas de petits mots non plus. Du coup, bon, après, voilà, ils ne sont pas obligés de non plus faire des petits mots, mais je vais quand même être sûr, quand même, qu'il n'y a pas quelque chose là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est enfoncé, enfin, on dirait comme s'il y avait un papier avec une. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est peut-être sûrement le papier pour l'adresse, hein, c'est sûrement ça, à mon avis, hein, mais je préfère être sûr quand même. Hein. On va un petit peu, je vais un petit peu parler avec vous. Hein. Bon, ces temps-ci, le moral est pas fort du tout, quoi. Et bon, bien sûr, pour bien préciser, ce n'est pas à cause des rageux qui foutent des dislikes. Hein, je précise bien. Honnêtement, ces gens-là, ils peuvent aller se faire bien foutre profond, quoi, parce que généralement, ils ont même pas de raison pour mettre des dislikes. Hein, c'est juste parce que c'est des trous du cul, c'est tout. Hein, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le cas, quoi. Mais en fait, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Et je suis pas trop bien. Le moral est pas fort du tout. Bah, j'en dis pas plus parce que voilà, j'ai pas trop envie d'en parler non plus de ces problèmes-là, quoi. C'est pas le but de la vidéo non plus, donc je sais pas. J'espère que c'était pas un. Parce que j'ai peur en fait de l'arracher ton truc. J'ai peur que ce soit un truc ou quoi. Donc, c'est pas à mon avis. Ouais, non, mais je sais pas, je pense pas que c'est une lettre. Hein. J'ai quand même essayé de l'ouvrir. Hein. On va avoir enlevé le scotch pour être sûr. Bon, excusez-moi, hein, mais vous savez très bien que moi, mes vidéos, c'est toujours à l'arrache. Hein. Quand même vérifier, mais il n'y a pas l'air d'avoir de petits mots dessus. Je vais juste ouvrir, hein, on sait jamais, hein, parce que je
quand même envie de savoir s'il n'y avait pas quelque chose dessus, j'en sais rien. On n'a aucune idée. Mais c'est vraiment pour être sûr. Hein. Bon, après, je pense pas. Je pense que s'il avait mis un petit mot, je pense pas que ce serait directement là. À mon avis, c'était vraiment pour mettre l'adresse, à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est des feuilles blanches, en fait, c'est pour ça. Voilà. Je voulais bien être sûr quand même. Hein, parce qu'on sait jamais, des fois, un petit mot, ça peut être caché un petit peu quelque part. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si je vous ai montré, hein, déjà, je sais plus. Je l'ai sorti, mais je voulais pas montrer, je pense. Hein. Donc il a l'air vraiment d'être neuf. Hein. Bon. Bon, ça sent raf, hein. Ça sent la bonne odeur. Non, je rigole, bien sûr, hein, mais c'est pour faire un petit peu la rigolade, quoi. Voilà, donc en fait, il m'a envoyé voilà, le Blu-ray de Bambi, tout simplement. Bambi, vous savez, moi je suis une petite collection de Blu-ray en Disney, en film, hein, donc j'en ai quand même une petite paire. Hein. Tous ceux que vous voyez là au-dessus, à peu près, c'est tout des. Enfin, là, ici, plus par là, c'est tout des. Non, ben, moi je n'arrive pas à me situer là. Voilà, tout ça ici, c'est des. C'est à peu près des Blu-ray Disney. Hein. Donc, celui-ci, cette édition, je ne l'avais pas. Moi, j'avais l'édition Prestige ou je sais plus quoi. J'avais une édition un peu. Voilà, c'était une autre édition que j'avais. Et voilà, donc c'est assez sympa. En tout cas, merci Raph pour ce petit bah, Blu-ray Bambi. Ça fait vraiment plaisir. Hein. C'était vraiment pas obligé. Excuse-moi, mais j'ai le brûlant en fait. J'ai mangé un boudin blanc. Du coup, j'ai un peu le brûlant là. Mais voilà. En tout cas, très très content de ce petit cadeau de la part de Raph. C'est toujours sympa. Bon, d'ailleurs, comme d'habitude, je mets le lien de la chaîne dans la description. Ceux qui sont fans de cinéma et de films, je vous invite à aller voir sa chaîne qui est très sympa. Très très sympathique. Hein. Il fait un peu de montage, hein, je pense. Hein. Donc voilà, je vous invite à aller la voir sa chaîne, tout simplement. Donc voilà, Raph, en tout cas, un grand merci à toi pour ce cadeau qui fait vraiment très plaisir. Hein. C'est vrai que bon, moi tu sais, moi tout ce qui est Blu-ray Disney en général, j'adore quoi. Bon, j'ai aussi des DVD bien entendu, hein. Mais les DVD, quand généralement quand je récupère en Blu-ray, bah, la version DVD dégage tout simplement. Donc ici, je ne veux pas vous cacher, ici je suis quand même un gros nettoyage par rapport à des choses que j'ai achetées auparavant. Je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas me servir et que ça prend de la place. Et en ce moment, je commence à saturer niveau place. Hein. J'essaye de, bah de voir un petit peu comment je m'arranger pour avoir plus de place. Hein. Mais il y a des trucs ici qui vont partir à l'avant. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, c'est un abonné qui m'a demandé ça sur un live. Je sais pas. Bon après, j'aime pas trop faire ce genre de procédé de temps en temps, mais. S'il y en a qui veulent, je vous mettrai bien un petit peu tout ce que je vends sur une de mes pages, quoi. Je vends des fois sur deuxième main. Et je liquide un petit peu tout ce que j'ai, quoi. Parce que j'ai des trucs que ça prend trop de place. Et ça peut me permettre de me faire un peu d'argent pour autre chose. Comme ici, j'ai vendu quelques petites choses Toy Story que j'avais que j'essayais de vendre depuis pas mal de temps. Et au final, bah, j'ai eu des intéressés ici, même beaucoup d'intéressés. Et vu que ça me. Bon, pour le moment ici, je suis vraiment parti dans les DVD. Je vais essayer envie de grogner, voilà, de acheter moins de trucs qui prennent de la place, parce qu'en ce moment, la place, comme les jeux de société que j'ai acheté dernièrement, ils prennent vraiment énormément de place, hein, c'est un truc de fou, quoi, j'ai des jeux de société qui sont énormes et ils prennent trop de place, du coup, bah voilà, je pense que je vais sûrement faire ça, un procédé comme ça, peut-être alors il y aura une page aussi spéciale pour les youtubeurs, hein, pour ceux qui veulent, voilà. Donc les amis, en tout cas, voilà, grand merci à Raph pour ce Blu-ray, hein. Je sais que c'est parti un peu loin ici, je suis parti dans d'autres discussions, hein. Mais voilà, en tout cas, Raph, c'est vraiment très sympa de ta part de m'avoir offert ce bouet. Ici, le truc s'est barré, je le remets. Même, tu vois, c'est vrai que j'en avais parlé à Raph que pour le moment, le moral est pas excellent du tout. D'ailleurs, hier, pour ceux qui ont suivi le live, ça a un petit peu gueulé, hein, je m'en excuse. Hein, mais d'ailleurs, j'ai supprimé le live hein, parce que je voulais pas garder un truc où je pétais un câble. Hein, bon. Ceux qui étaient là bah, savent pourquoi j'ai pété un câble. Hein. Je ne vais pas en parler dans la vidéo parce que je sais très bien que cette personne regarde la vidéo. Hein, tout simplement. Je ne vais pas dire son nom non plus. Mais ceux qui étaient sur live, ils savent vu qui je parle. Hein, donc voilà. C'est quelque chose qui m'a. Enfin, c'est. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai envie d'oublier de ma vie, tout simplement. Et voilà. Et à chaque fois, il revient. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Je vais passer pour ici, quoi. Donc voilà, les amis. On s'arrête là pour la vidéo. Bon, je voulais faire un petit truc à la fin. J'ai mangé ça il n'y a pas longtemps. Du truc de la pâte à tartiner au marshmallow. C'est vraiment super bon, franchement, ces trucs-là. Si jamais vous avez l'occasion d'en commander des fois sur le site américain, c'est vraiment très très bon, ces trucs-là. Ça sent très très bon d'ailleurs. Je pense que j'aimerais bien en racheter une fois. Un pot, tellement ça sent bon. Mais ce truc-là, il sent un peu la levure ou je sais pas quoi. Il y a une odeur qui me fait penser un petit peu à de la levure ou un truc comme ça. Bah, je me sniffe à ça en fait. Voilà.
J'adore cette odeur, elle est super bon. En fait, voilà, c'est de la pâte tartinée marshmallow et vous pouvez mettre ça sur des tartines. Bon, honnêtement, je préfère manger à la cuillère parce que c'est des tartines, ça me dit trop rien, honnêtement. Voilà, passons, c'était un pas placement de produit parce que je suis pas payé par ça, mais plus, voilà, une petite info. Si jamais vous avez envie de goûter une fois ça, flouf, il y en a beaucoup qui connaissent d'ailleurs, j'étais assez étonné. Voilà. Donc les amis, on arrête là pour la vidéo colis de Raph. Hein, donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Raph, t'inquiète, t'auras ta pub sur la vidéo, ça c'est sûr. Hein. Directement, le lien sera mis. Hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne pour un petit peu regarder ses vidéos parce qu'il fait vraiment de très très bonnes vidéos, mais vraiment très très bonnes. Du coup, voilà, je vous invite à aller voir. Et voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.